Bonjour, Madame Béni Nenze. Bonjour, bonjour, Papa Vérité. Madame Béni Nenze, je suis le partenaire de l'ancienne Zeta Congolais Télévision. Plus de 100 000 abonnés à ce côté branché. Et à Rolanda, je suis le tout bête à ma société italienne qui est le démocratie du Congo. Ça analyse ensemble. Je suis en train de me faire un peu de temps. Bonjour, 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 Nandengo lobi papa vérité semaine passée tozalaki na ambassade des États-Unis parce que tozalaki marche pacifique na société civile oyo ya kobetela lisusu sete makasi na makambu oyo ezoleka na Congo na makambu oyo ezoleka na est de la République na makambu oyo tulisa mboka na biso oyo ezosala lelo tozolala te oyo ezosala lelo président de la République azozanga pongi po ya kotala makambu ndenge nini ezoleka na kati na mboka. Tokendaki kuna na ambassade des États-Unis pourquoi parce que tout le monde a dit que complot oyo makambo oyo zo salema na mboka na biso ezaka ka Rwanda te Uganda te mais tout le monde a dit kaka que tozo mona que complicité ezape na likolo makasi tolobi tout le monde dit que relation na biso to toloba ndenge na biso ya ko traiter na États-Unis et komi politique de façade donc bazola ki sa côté moko bazana biso côté mususu bazana biso te bon ça mandé madame Belinenze politique de façade na ndenge oyo papa vérité omoni makambo ya Ukraine lelo makambo ya Ukraine ezo tungisa mboka mobimba mokili mobimba ezo loba non non il faut total la Ukraine ndenge nini mais boni congolais lelo batu bazo kufa na nzala batu bazo kufa na minduki batu bazo kufa na insécurité na est tozo banga to komiti na kwa mutu tozo banga déjà tozo yebela na kati ya kisasa tozo loba te ndenge nini boni tokozala na kimia na kisasa alors que na côté ya mboka mobimba makambo ezo inda mais tolobi soki États-Unis aza vraiment ami na biso aza vraiment partenaire fiable na biso ndenge nini makambo oyo azobetelango CTT ndenge nini monguna koki kozala afandi plus de 3 mois na bunagana lelo ba progresser oyo esalaki ke to telema eza komona progression ya M23 oyo esali kaka au moins de 6 heures bazwi ba territoire mosusu na kati na territoire Tchuru bazwi ba place mosusu lokola ba groupement lokola ba cité mosusu a part bunagana nde esalaki to lobate il faut to telema tokende ko tuna pe na ba américain ba yebisa biso ndenge nini parce qu'il y a rien qui peut se passer dans le pays tant que bango ba yeba kala bango nyonso nde tokende ko tuna bango wapi relation na biso na bango eza ndenge nini po batika biso na kati na makambo oyo. Ben oui, le bien, relation il y a comme toi ko leka sans pour autant états des mains qui a za la ayebate touche ja yebi mboka mais ko ba ke bayi rebe ba siko kota na kata rojuku pas moins de 6 heures de temps hein ba siko za déjà kata rojuku où est notre armée c'est ça cela veut dire là quoi les poteaux est vide c'est ça ndenge na lobaki la fois passé awa na lobi far dc azo sala ndenga zo sala mais to moni ke bitumba oyo et comme plus politique et comme politisé et tu es comment ata bolanda ka ba qu'est-ce que tu dis politique cela veut dire dans le sens que na kati na armée tu es ko kuta ezana ba infiltré oyo bazo sala ma message ya toujours la rabe infiltré ah oui bazo sala ba message ya far dc ba positionnement ya far dc ezo yebana directement na isika M23 moyen far dc azala makasi ezate
FARDC a avancé, a kouta, simanae, banguna babimeli et sima. Est-ce que Mouna est coquin pour l'autre positionnement à FARDC? Té. Donc, oye ko kouta ke, makambongo ezo ye bana bien te. Et puis, nga na ye ko bete la lisusu sete eloko moko boye. Eloko epe sa nga kanda, mususu zo pe sa biso pe kanda. Nenye ni biso ba imboka tozo lingato sala, ba partage ya ba image ya ba FARDC, ya mabe, ya kola kisa ke bango bazo kufa, ya kola kisa ke bango bazo avanse te, ya kola kisa kaka mabe. Nenye ni tozo sala ka kampanya ba tunabiso na nenye ya mabe. Esika bazo avanse tozo la kisa te. Me esika bazo beta, me esika bazo sala eshek, nde biso tozo lingato. Est-ce que vous êtes sûr depuis Tiraimé et Koumé, est-ce que FARDC est déjà une très grande progression vis-à-vis de M23 ou de M23? FARDC a été sala na nenga kokai ko sala. FARDC a été bunda. Mais FARDC a été infiltré. Autonobaki pekala, il faut recensement. Il faut président de la République a son gabiso na makambo ya recensement. Eza na kati na armée, eza na kati na population, ko sala recensement ya koyeba mutu congolais aza nani ou aza congolais aza penani. Très important pour que makambo oyo eza na clarté na kati. Tu peux comprendre que quand on est l'ambassade des États-Unis, les apôtres sont des multinationaux, ils sont des cimes à Makamboyo. Ils sont des Rwanda, ils sont des Museveni, des Uganda. Mais tu peux tout dire que l'ambassade américaine est des solos à Makamboyo. Est-ce que vous étiez bien accueilli? Franchement, nous n'étions pas bien accueillis. Parce que? Parce que tu es qui? Non, il faut que tu pour recevoir 4 à 5 personnes. Oye bébé, ce sont Congolais qui sont tous là. Tokiti sur place, tous là, 6 personnes, 5 personnes. Na chauffeur, donc ça faisait 6 personnes. Mais il fallait pas recevoir 5 personnes. Batumisu soubaye kokoma. Amérique va lingaka makambouana. Tende yango d'un coup, baboye li biso nyon soto salanini, tokota. Baboye ko recevoir biso. Batinde li biso mtumisu. Aya ko yamba biso na libanda, azwa pe memo na biso. Mais aboye pe ko signer accusé de réception. Une manière aussi, il y a qu'on humilier les Congolais, il y a qu'on dénigrer les revendications. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire à Boko Sinini? Babo il faut accuser réception, il y a mémo na biso. Parce que tu peux si mémo, d'habitude, tu peux ça comme mémo, il faut que tu aies accusé réception, de négé mon PC li bango, mémo. Est-ce que Moutona a recevé une délégation? Est-ce que vous avez une habilité à signer à Kizé? Vous avez une habilité parce qu'on l'a envoyé. Quelque part, on s'est dit peut-être qu'il n'est même pas un Américain, peut-être qu'il est juste chargé de la sécurité dans l'ambassade. Il n'est pas au niveau de recevoir quoi que ce soit. Ça veut dire qu'à un moment donné, nous nous sommes dit peut-être que notre mémorandum n'est même pas allé quelque part. Et ça, il y a des légèretés vis-à-vis du pays Nabiso, tu sais pas. Alors, une manière de sous-estimer l'action Nabiso, une manière de sous-estimer. Et puis tout ça, ça devait être organisé depuis la tête. Depuis la tête, que le président de la République a yébaki, gouverneur a yébaki déjà que tout ça na marche. Marche Zalaki déjà annoncé. Bazaki déjà va pensé qu'il y a une autorisation. Parce que la société civile a quand organisation a marche était tant qu'il y a déjà autorisation, il y a Mokonzi, il y a ville de province de Kinshasa. Donc tout ça qui déjà Mokanda autorisation pour tout ça la marche wana. Hein, à la grande surprise à l'ambassade. À la grande surprise, vous avez vu même quand nous étions sur Willery, il y a eu autant de policiers. Il y a eu 6 jeeps de policiers qui sont venus. Alors sans problème, ils ont demandé ce qu'il n'y ait pas d'engouement dans Gobe. Mais on comprend bien. Alors on nous a, ils nous ont escortés jusqu'à l'ambassade des États-Unis. Ça, ce n'est pas le problème. Mais pourquoi ne pas recevoir les 6 personnes malgré la masse qu'il y avait? Pourquoi ne pas les recevoir le nombre qu'ils ont demandé malgré la masse? Parce que nous sommes retirés pour être un petit nombre. Est-ce que nous n'étions même pas à 20 sur place? Alors, ils pouvaient juste demander que les 5 personnes qu'ils ont demandées puissent entrer pour déposer les mémorandums et c'est fini, les autres pouvaient rester et continuer la marche. Merci beaucoup, Madame Beninenze. Nous aussi déjà déploré le comportement à trop bien dit département à service accueil ambassade des États-Unis. Ils ont été vraiment bien accueillis vis-à-vis à la société civile. C'est ça, non?
Mais apparemment, vous étiez un peu minoritaire, hein? Marchango, Tozala qui vraiment ébellété, c'est déplorable et c'est et ça fait mal au fait de voir que tout ce qui se passe comme ça, nous avons l'impression que la population quinoise pense que c'est une situation seulement qui concerne l'Est de la République, qui concerne les Kivusiens, qui concerne Goma, Bukavu, Ituri. Mais cette marche que la société civile a organisée, normalement, ezalaki une marche pacifique, il y a peuple congolais mobimba. Il y a une société civile, est-ce que... société civile à sa politique. Mais est-ce que vous avez besoin d'accuser le peuple congolais, le peuple quinois particulièrement, est-ce que vous avez le temps de sensibiliser le peuple pour la marche? Vraiment, vous avez le temps de sensibiliser parce que vous avez la veille pour la sensibiliser. Vous avez le statut, vous avez le makam, donc vous avez le sete na makam, vous avez le sete na base na ye. Il y a le loba ndenge ni to la mosata voisin, vous avez le voisin ndenge ya marche. Vous avez le marche, vous avez le marche ba parti politique. Parce que vous avez le parti politique, vous avez le marche insaisissable. Mais vous avez le marche, vous avez na kombo ya mutu moko société civile to bori ba parti politique soko koya boye oza société civile toza parti politique te to lobaki marche wana eza ya kosunga biso nyoso po toza mboka moko toza parti politique te toza mboka moko mutu moko to tambola lokola mutu moko to lakisa na monde mobimba mécontentement na biso na marche wana ya koloba combien de fois to bori Toboi makambozo le kana est. Toboi makambolelozo komela biso na kwa mutu. Toboi makambuna ndenge zo yebela na ndenge ya mabe. C'était pour ça. Alors tomoni ke atana ndenge tozo sala marche to uti na stade de martyr tozo matapoto koma na wileri. Batu bazo tu na biso ndenge nini marche ango ya ndenge nini. Oye concerné biso kutu tozala ki ko zela. Marche oyo ne ba se joindre na biso ba mususu ba jobo to kutana ki na bango na nani na wileri wana ba tiki ma camion na bango ba ye ko se joindre na biso pour to zala moi effectif mais ba oyo vraiment il fallait ki ba zala ebele ba zala ki na bango te. Merci beaucoup madame Béni, je pense au relancer ce message dans sous émission d'épisode passé d'activité on se retrouve pour préparer d'ici quelques jours hein. Donc pour ce temps et pour relancer message na yo tu peux taper mon qui discours chef de l'état ou assez relancer mon collègue Olika IPC moi qui n'a pas une bonne belle mon tout aussi conscience je sais pas si compte c'est réel tout semblant je ne sais pas et que yo moi imbo ka tant qui tant nanda koto na mosala za salaka ou le discours chef de l'état. Et on a qui ont des bien beaucoup de discours moins très faible vis-à-vis à l'adversaire Nabisso actuel ou de vis-à-vis M23 sous parrainé par Paul Kagame Rwanda Kigali dès que moi imboka discours chez des tests que quoi qu'il n'a pas il y a un bagarre tout ça en angle vis-à-vis à Esther Kosi du Congo mon imboka béni omoni papa vérité nani discours à chef de l'État pour n'engai na kolo bango esa faiblesse. Discours à chef de l'État, il est le chef de l'État. Il est le président de la République. Azo pesé makambo avant l'obango pour nako protéger le peuple naïe, pour nako protéger le mboka na biso. Nandengeni. Le chef de l'État, na kati na discours naïe, abandi na koloba ke, il a déjà tout fait. Ameka ki makambo nyonso ko négocier ko sala nini ko sala ba partenariat, a signé ba partenariat za la na Rwanda et za la na Uganda pour na nini pour que tous à la nakimi à la bango pour balobaka voisin ne azalaka muninga ya liboso. Discours à chef de l'État, tokuki ko qualifier en gros de faible. Pourquoi? Parce que déjà ba imboka, tokufi déjà ebele. Mais est-ce que loko la papa nandako, okuti likambo koko so na kati nandako na yo, est-ce que directement okobima na makasi ou bandi ko beta bato bandi ko loba makambo munene? Té, il faut ça la discours na stratégie. Na monique discours à chef de l'État oyo. Et ça là qui discours donc stratégique. Mais est-ce que ben ils ont des discours oh ils m'ont pas s'attendre dans côté. Non, madame Béni. Avec un discours mon œil qui très faible. Préparé paroissial. Oui, trop chrétien je ne pouvais dire. Oui. Oui, dans le sens que na Congo. Papa vérité, makambu oyo ba voisin bazo sale na biso nde bani ko pesa biso ki motema mabe congolais ala ka motema mabe te. Félix Antoine Tshisekedi aza congolais
Azana nature ya motema mabete, azana nature ya kolinga, azana na batu bien. Mais le teke bana ne bazo kufa ni uturuba. Awa, mais quand vous êtes toujours, vous êtes toujours dans la générosité, toujours, madame. Ta bana bazo kufa. Nde yango, omoni balobaka, so, ce n'est pas, on ne traite pas les choses à chaud. Soko yo kokuta ndaku na yo ezo zika. Okoya lisusu koluka moto te, il faut yukama ya malilo sopa to sable et calmer nan po yeba moto yo ebimaki ebimelaki wapi. Discours à chef de l'état nga na moni yango ezalaki stratégique. Mais ezana force parce que alobi nini réveiller conscience ya nani ya peuple congolais. Peuple congolais ayeba déjà makambo tozo lekela. Ezaka ka chef de l'état te o yazana makasi ya kosala. Pour que solution et monisama. Mais il faut mettre sur population mobima. Tous à la cima chef de l'État pour tous à la nini tous aux solutions. N'engo na zobe ta sete akoloba. Chef de l'État aloba ke lo kwa makasi soki tous à la matoi ya koyoka tous à la totia mitema na ndenge ya hein melama ya pio toloba kana kisasa melama ya pio to yoka bientôt to discerner message à chef de l'État. Alobi ke ela to la musa conscience. Azola mosa conscience ya peuple congolais na ndenge nini conscience ya peuple congolais awa na kini to la moka na ndenge nini to kanisa teke makambo na zole kana est etali kaka est to la moka to yeba teke makambo na zola ezole kana ruchuru ekotika la kaka na ruchuru ekokome la pebiso eza une manière à réveiller conscience ya peuple congolais surtout biso to za na capitale to yebela Monguna akota te, to yebela monguna zwamboka te. Ça c'était une manière à réveiller conscience ya peuple congolais. To mona ki ke ndenge nini ba étudiant na Goma bazola mokabalobi te. Biso toza tayari, botia biso to kota na FARDC, to kende, to bunda. To za la pe ba militaire to bunda. Matobele ba kendaki ko soutenir FARDC. C'était à la réponse de l'appel du chef de l'État. Alors chef de l'État mise photo yeba code ya makambo azoloba. Bato balobaka na ndaku, papa alobaka eloko bana na ye, bakoyeba papa lingaki aloba nini. Siko tokoloba faiblesse ya papa na biso, biso tozoloba papa na biso aza faible. Po mutu alibanda aloba papa na biso aza makasi. Mais biso soki toyebi faiblesse ya papa na biso, to batela nanu faiblesse ya papa na biso to bengana nanu munguna libanda, après tokozongela papa na biso après. Parce que na makambo tozoyinda na kati. Toza vraiment à droite, il y a qu'au pointer du doigt président de la République. Madame Beni, est-ce que ba imboka wa tolo na monatier na la grande télévision, est-ce que réellement makamoto de ka massacre est en Isaïe seul parce que vous avez moko OP aux yeux temps à vivre kuna moi peu moi trop. Oui, oyebi papa vérité. O nga epe sanga makasi ko télé malelo. Ya koloba na ya na lobana bunda na sala ba marche. J'ai 6 enfants et un bébé. Mais na tika kabana na ngai. Na lobite mboka oyo eza te ba papa nde ba kobunda. Eza ba mama na ba jeune. Po biso ba mama nde tobotaka. Biso ba mama toboti ba kuluna, toboti ba président, toboti makamunyoso. Mama nde apesa ke education de base. Si ko biso ba mama soki tokoti le kamboyo te, eza lokola tozotika mboka ekweya. Ana biso ba mama na ngabo ko particulièrement totelemi parce que bato bazo kufa papa vérité réellement bazo kufa na peso ni solo ba oba kimaki na na ruchuru ba koti goma bazata na babache te ba sitting ya kolalela bazo lala à la belle étoile bazo zanga bilamba ba mama bazo bota bazala bilamba kotia bébé te parce que tangu guerre yé et lo bakate ke koto ba mama zemi bazali koto yo ba maman bazana ba bébé bazali donc ce qui total né ngo tozako koloba est-ce que Amérique ezo yeba makambo zo le cannabis parce que ce qui na France mutu moko akufi na nzala tokoyoka ngo na France 24 mais chez biso batomele bazo kufa na nzala ba bébé bazo kufa na mikongo ba mama na bango pona kokima ba mama bazemi bazo avorter ba koko bazo kufa pe mona ki na vidéo wa une femme de 80 d'années akufa ki na balabala hein dans la nationale numéro 2. Elle est morte dans les réseaux sociaux, famille, naïeba, ya kokunda, ya salaki, journée mobimba la balabala. Elle était morte. Mais Amérique, elle est lobate. France, bozo yo kama kambo RDC na na France 24 te na ba détail nyo so wana mais soki zala ki Ukraine balinga ki baloba mais soki zala ki France elinga ke yo kama alors est-ce que biso ba congolais to ko ki ko telemele lokwana
ya koloba tozwa conscience que oyo ezo leka na kati na mboka na biso il faut biso moko to telema biso moko to yeba nini toko sala avant que voisin aya ko bundela biso omani balobaka soki na famille moto bimeli bino na ndako boye bela nanu ndenga ko bima ko ya ko sauver ba biloko voisin ko ya ko songa après mais biso tozo belela voisin 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 le président de la république a belela ki voisin mais ba voisin nyonso ba monani ke bango nyonso baza complice après président de la république ala sala ki nini a beleli kombo ya ba voisin a haute voix o ya zo bundisa biso c'était responsable parce que Monique non non c'est pas le M23. Le chef de l'État avait dit une fois, déjà dans le discours où il y a Kalaloba qui est dans les Nations Unies, que c'est le Rwanda qui m'agresse. Les acharnements contre Rwanda, Madame Béni. Les acharnements contre Rwanda, il a dénoncé le gouvernement rwandais. Qu'est-ce qui prouve que c'est le Rwanda qui est en train de faire des massacres? Le gouvernement rwandais parce qu'on a eu à le voir autant de fois. C'est vrai. Et c'est noir sur blanc. De ce que mon amour, il y a un avion, des chasses n'habitent sur le canard. Je sais pas ce qu'il l'équipe réellement, je ne sais pas. Bah, il l'équipe Rwanda, gouvernement rwandais, c'est quoi qu'ils aient regardé ça, c'est quoi violé. Espace. Gouvernement rwandais, Azalaka Mutumo, Walinga Kabatunyo, Sobatia Kanaye. Gouvernement rwandais, Azamutumoko, Aitilizaka, Alinga Kabamonaye, que c'est un. Il est faible, il est minoritaire, les Batoubalingi, Kakababundanaye. Donc, Azalinga Batunyo, Sobayo, Kelakaye, Kakamawa. C'est vrai. Mais si les avions de chasse ont survolé Goma, Gisèle Ipès à l'armée. Mais est-ce qu'il y a eu des assauts au Rwanda? Il n'y a pas eu d'assaut. Mais Babi de Roche, sont des dérangés, Maman Zemi, il y a un bon moment dans Béni. Si il y a un lobby, Maman Zemi, il y a un dérangé, il y a un lobby, Zemi, il y a un lobby. Mais prouvez que ce soit des Rwandais, il y a un bon moment, Madame Béni. Il y a preuve, mais il y a preuve dans le Rwanda où les gens qui ont vu un abyssau sur le volant qui s'est passé rien de rwandais. Mais il y a un peu de monde parce que les gens ont appelé la tenue, la bango, la katina M23, les gens ont appelé la tenue. Il y a monté comme monté, madame Béni. Papa, vérité, est-ce que vous avez aussi comment vous avez? Non, il y a un peu de monde qui a monté la tenue à Rwanda et ce n'est pas les Rwandais qui sont en train de faire des massacres en l'Est. Ah bon? Mais le message du fils de Yoweri Museveni qui vient de sortir sur Twitter, ça prouve quoi? Madame, tu as comment dossier, Anna? Ah. Comment? Mais le Rwanda, absolument, il a zéro dénoncé, juste. Aussi, pour violer le territoire. Il est dedans, et comme le chef de l'État l'a déjà dénoncé, et nous allons le dénoncer. Et voilà pourquoi Karega est parti. Et voilà pourquoi le chef de l'État a démontré Karega. Il a donné 48 heures à Karega. Karega est parti. Sur le sud d'Aïkini, jusqu'à maintenant, il y a toujours des massacres. Il n'y a pas de solution actuellement. Oui, mais c'est une partie de la solution. Kokende à Karega. Oui, c'est une partie de la solution. Merci beaucoup, madame Béni. Avant que vous ayez un sujet, vous enrôlez dans la armée. Est-ce que ce n'est pas risqué pour la génération future? Il y a une occasion, il y a une côte armée pour se révolter, pour contenter les gens. Est-ce que ça risque d'être pour l'armée? Les jeunes garçons vont s'adhérer bien à l'armée. Je ne sais pas si nous avons un dernier. Les jeunes garçons vont s'adhérer à l'armée. Et si les jeunes filles? Oui, ce n'est pas que pour à la longue bafouti sabatou bama kambu yakala. Non non, je pense que c'est pas révolte comme on a ndenge nini mboka na biso banguna bazolinga kaka ba détruire yango banguna bakanisi ke toza faible. Voilà pourquoi jeunesse lobby non non, to sardesse na biso, to soutenir bango, to appuyer bango. Parce que ceux qui toza na musika tokokoka ko appuyer bango te toko tapete sur terrain to appuyer bango o tokosenga kake kozala nde formation moko ya makasi formation moko efficace po basala vraiment efficace sur terrain et que l'état congolais ezo en charge formation na bango vraiment pour kezala te ke ba massacre bana ba kende susu kuna bango ba kufa kufali susu. Mais il faut dire vous avez couragé ba yimboka basa ya à s'enrôler bien dans cette armée. Oui, nous encourageons cela et le président de la République tant que Fandaki, bah Monique, c'est important bah benga jeunesse kokota. Donc bazoki déjà ba disposition nyonso pour que armée
nouveaux bah jeunes au bazo kota na armée bazala bien encadré bien formé pour que bazala efficace et bien protégé na kati na armée. Merci pour madame Benir. Entre M23 et Rwanda, qui est agresseur? Le Rwanda et le M23 sont le même. Sont les mêmes. Je peux dire, il n'y a pas M23, il n'y a pas Rwanda. Oh. Si je peux dire M23, ça veut dire direct derrière, je vois le Rwanda. Comme le président de la République l'a dit, que le M23 est sous parrainage du Rwanda. Mais on voit les porte-parole, les M23, ils disent que les Congolais, il n'y a pas un soutien de... Il ne peut dire que ça parce qu'en citant le Rwanda, c'est comme si on disait qu'il y a deux pays en guerre. Pendant qu'on veut nous montrer qu'il n'y a pas deux pays en guerre, qu'il n'y a que la RDC qui est en guerre avec les terroristes de M23. Donc tout ça, c'est politisé. Et je pense que moi, au niveau de la politique, je ne suis pas politique, je ne suis pas politicienne, je suis société civile. Je ne peux que garder ma position de société civile en disant les choses comme nous les voyons, comme nous les analysons sur terrain. Et pour tout ce qui concerne la politique, il faut que demander à l'Assemblée nationale, au gouvernement, pour qu'il nous éclaire là-dessus. Merci beaucoup pour la réponse. Je vous remercie beaucoup de comprendre tout le bokeh. Puis, toi, Namo Moké, déclaration y a général ougandais, moi, Namo Seveni. Vous avez mon côté en rabat livre rétro. Vous avez pu, et puis moi, pour mon histoire, toi, quand même, vous avez un monde un peu moins élingué. Tout ça, maman, vous en avez élingué, Nan. Ah oui. Mais oui, il y a eu temps en rabat, moi, livre moins trop. Tout ce que Namo Namboka, moi, Namboka africain, je dis bien, qu'on lève, vous posez un regard, vous vous fingez en gâté. Il y a bien mon amour africain, basa africain, tout ça bandeko. Basili, asili ko lobake, M23 a aussi réclamé juste nos droits, ça va peupler touti. La catarbi lo kati di ko mon amboka. Tout ça na doute na ba peupler outou. Pimboka bazana doute na ma kasi na de conscience na ba onne longa ba onne bien té. Peuple outou pimboka ba di maraba onte ba ben ba bazai ba rwandé. Tu y sois est-ce que vous avez peuplé touti? Pourquoi vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que nga na événement wana nga na lobi gloire à Dieu parce que tant que salaka marche à kokendeti na ambassade ya Uganda on m'y rappelé bato bazal balu bawolola ki biso ko loba ndenge nini boke ambassade ya Uganda pendant que c'est le Rwanda qu'on a dit que c'est le Rwanda qui nous agresse ndenge nini boke ambassade ya Uganda bato bawolola ki makase baloba ki baloba ki. Lelo ebimi na poisa ya koloba ndenge nini mwana ya Museveni general Muhoozi yemopo alamuki alobi nini azali susu sima ya RDCT mais azo encourager nde M23 koloba ke M23 ezo yande ko revendiquer ba droit ya protection ya batuti oyo bazalaka na Congo. Alors pour moi je me suis posé une question. Batuti wana bazana place nini bakota mokolo nini et ko protéger bango na nani na nini Congo est agressé bango Congo est sali bango nini parce que là il faut que ba yebisa biso parce que le loto yutu ko yeba ke non donc mouvement M23 ezo yande ko revendiquer ba droit ya batuti congolais alors batuti congolais wana ngana yo ba yebisa peuple congolais batuti wana bakota mukolo nini ba yande nini bazape wana ndeke utu Rwanda zali ndepe utu Congo zali ndeye mukolo bakate na ye na lobaka batuti Congo zali mais il faut yeba que le peuple nilotique c'est ce qu'on appelle le tuti c'est le peuple nilotique qui existent au Rwanda et qui sont partis en Ouganda. Et c'est ce peuple-là qui est formé, Ezana Katia Museveni, il est un ulotique comme Kagame. Alors, aujourd'hui, qu'on puisse dire que chez nous, il y a un peuple minoritaire qu'on est en train de protéger du côté des Rutshuru, c'est ce que nous aimerions savoir tous, parce que ceux qui sont en train de mourir aujourd'hui, ce sont les Hutus, ce sont les Banyabwisha,
du territoire de Bwisha, des territoires de Beni, de Lubero, de Butembo, toutes ces personnes-là. Mais il fallait dire, il fallait qu'il soit clair en disant que telle place na katina Rutshuru, eza na peuple tuti, oyo eza minoritaire, oyo eza peuple congolais bazo bunda bazo bazo tia bango kimiate nde yango biso toye ko protéger bango. Mais il n'a pas une place pour les tuti ici. Il y a une place comme ça. Nde tomona ba nyamulenge. Non, il n'y a pas une place pour les tuti ici. Il y a une place pour les banyamulenge, comme on leur dit. Banyamulenge, ils sont à Mulenge. Alors, les tuti qu'on vient protéger sont où? Vous, vous êtes journaliste, peut-être vous pouvez me renseigner, parce que vous, vous faites peut-être des recherches là-dessus. Mais moi, en tant que Congolaise, avec mes petites recherches que je fais, je ne connais pas un peuple tuti qui est venu, qu'on est en train de protéger à Rutshuru. Merci madame Béni. Je suis venu lancer parce que vous avez une petite cousine. Maman est venue à Moussousou, où ils ont travaillé mon collègue mercredi. Il a été mon maman en boucle un tableau et un article pendant 5 minutes. On s'est exprimé, on s'est appelé à l'aïe, on s'est battu partout dans le monde entier. Mercredi, ça activité Nini. Au fait, je lance l'appel à tout le monde. Je vais vous dire que vous avez un Goma, na Bukavu, na Kinshasa, na Kisangani, na Ituri, na Kwilu, na place Nyonso. Awa na Kisasa mercredi après-demain. Tous les sous sur la marche pacifique, le col Ezalaki, le col Ezalaki mercredi passé. Bon, mona qui n'a beaucoup, vous n'avez pas salaki marche. Bon, mona qui n'a pas salaki à Koinda. Bisopé, tous salaki pe. Mais tous en a besoin de sous, bon, yé, babo, comprendre. Que tous en moutou moko. Eza ma kaboya ba outoute, eza ma kaboya ba yaba loubate, eza ma kaboya ba yaba nyangate, yaba regate, yaba lendoute. Il y a ma boate, il y a ma congote, il y a ma kweate, il y a ma kambokoza la sima ya Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, Fatshi Béton, il y a koza la sima na ye pour que mon cannabiso ezala na kimia. Et concerné kaka estote, mais concerné tout Congolais, oya bengami Congolais, tous ala ensemble et longo, na stade de martyr à 9h, boya en blanc blanc, tous ala et longo, tokende, tous ala marche pacifique, j'ai dit, pacifique, il y a pour Bundate, mais il y a pour la qui se monte, Mobimba, que Congo a zolinga kaka kimia. Jusqu'à où puis marche en haut? Marche en haut, tu repères sa destination, mais les autres destinations, c'est kaka jusqu'à l'ambassade des États-Unis. Tu kokende l'issue sur l'ambassade des États-Unis. Et monsieur Swahili, pour nous respecter d'autrui, ne? Na Swahili, batu yote, tu n'as pas ita, ku marche, il y a tout qu'on a organisé, il mercredi. Il marche à Ikotu, il y a battu à Est. Lakini le marche iko ya batu yote ya Congo. Ukwe muutu, ukwe munande, ukwe murega, ukwe muunde, ukwe muluba, ukwe mufulero mu Congo. Si ebote population kinoise yote, tukuye ba étudiant, ba commerçant, ba médecin, batu yote, a tout akuya sa parti politique, mais tout ko peuple congolais, nyuma ya manen le président de la République, Alisema Fatshi Béton, Alisema tulamuke. Tu l'amouke, tu nous soutenir, tu l'amouke, tu one namna ya kusove inchi yetu, namna ya kuungana mukono, ju tupate amani, amani, amani kwetu. Asante sana, madame Beni. Asante kwenu, papa Verite. Bye. Merci, au revoir.